Constellation, on est à Gamelé sur Scorff et on s'installe pour enregistrer le deuxième album de Centenaire. Nickel, Constantino s'installe, je viens du son. Il a déjà fait le son de la moitié des morceaux du premier album qui va réaliser le deuxième album. Ça manque un peu de guitare, je trouve, et de cello. Cello, il est un peu à l'ombre dans l'air. Ouais. La batterie, elle est moins verte. C'est bien, non? Ouais, je crois que c'est celle-là. Hein. Bah voilà, il suffit d'une caméra et puis. Voilà. Deuxième jour d'enregistrement à Gamelé sur Scorff. C'est ici qu'on enregistre. Ça, c'est ma salle. J'ai en salle. Il est là. Il m'attend. Et la basse. Sophie et Corda avec le métallophone. Le casque. Le style d'enlève la batterie. Jolie guitare. T'es au-dessus du couple NS là? Vas-y. Là, c'est pour ça que j'ai pas grand chose. Donc on se prépare à enregistrer Farmers Underground, le morceau rock de l'album. C'est le gros bad trip en studio, pourquoi Miguel? Parce que la guitare n'a pas été bien réglée. La guitare a été réglée par qui? Par Romuald. J'accuse Romuald. À Paris, luthier 14e. Sympathique. Compétent. J'ai fait régler spécialement pour l'enregistrement, pour être opérationnel. Quoi, que, pas, pour être nickel. Hein. Voilà, nickel. Change de corde neuve, qu'on a testé un peu avant et tout. Justesse. Voilà, quand tu fais régler ta guitare par un luthier, tu es en droit d'attendre la justesse. Si,
quand ça fait ça avec des cordes neuves, ça marche pas, c'est que le manche est faux. D'accord. Mauvaise nouvelle, mais ça peut arriver. D'accord. Ok. Donc, vous pouvez essayer, hein. Il ouais. faut avoir les petites clés à laine ou ça dépend. Ouais, mais là ça marche, ouais, pour ce qu'on a. Des fois, c'est du cruciforme. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et avec de la musique. Non, parce que lui, il m'avait fait du travail aussi, c'était pareil. C'était juste au monde, mais c'était pas l'air de jouer. Ça frisait chez les télémusiques. Tout ce qu'il faudra faire des groupes. Mais demain, je risquais de ne pas être là tout le temps. Elle frise celle-là, par contre. Hein. Ouais, c'était déjà le cas avant, ouais. Mais elle fait un peu si tard, hein. Ouais. On va aller voir la Gunera, dans laquelle s'est installée une famille de rois de lait. D'après le jardinier, homme de maison qui repeint les portes de Castel d'Or. Il est là. Voici le nid des rois de lait. You tie your shoes, you go back home, back home. You feel confused on your own, back home. You choose a friend. Change your mind back home. You feel alone and you're alone back home. Tiens, tu me ramènes un coton-tige, s'il te plaît. Bizarre avec la batterie. Il est bleu et il y a juste le tom basse. Bon, je vais aller voir si je te trouve une caisse claire. Je t'enferme. C'est parti.
C'est un seul. Alors, est-ce que c'est pas pour ça qu'on est musicien? Ouais, c'est des moments comme ça, quoi. C'est là, on aurait dû finir l'album en principe, donc on a eu la chance d'avoir une journée en plus, ce qui nous enlève une grosse épine du pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pu faire plein de trucs et résoudre des problèmes qui, moi, me tenaillaient, genre des guitares fausses, sur deux morceaux, un truc qui allait pas, des vagues dont j'étais pas contente et tout, un son de guitare qui parfois était un peu léger. Et donc là, on a laissé chauffer l'ampli pendant près de 14 heures. Et on a fait les prises à la fin des deux morceaux qui nécessitaient un son. Et la petite cerise sur le gâteau, j'avoue, c'est les cajous. le cajou à capsule, là, je me suis revu. Il y a une vidéo de Yes que j'avais vue sur YouTube en 76 où ils enregistraient leur album. Et moi, je trippais bien sur un moment où ils utilisent un rocard, ce genre de percussion, en comme ça, avec des disques en métal qui rebondissent comme ça. Ils sont là comme ça. Tch, tch, sur un morceau en studio, 4 à le faire et tout, la banane. Et quand je les ai vus, je me dis, ah ouais, ça devait être cool. Et ben là, je l'ai fait. Là, j'ai ressenti ça en faisant tout à l'heure. Miguel est content. Miguel est très content. Ah, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Damien est content. Ouais? T'as rien à dire? Aurélien. Content. Ouais. Alors, t'as un truc à dire? Bah, je pense que c'est un gros album qui se prépare. C'est un peu des journées comme ça qu'on veut quand on est musicien. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Des prises magiques. Beaucoup de prises magiques ce soir. Mmh. Voilà, bah je vais faire un plan séquence de gens contents. Et on termine par moi.